Non mais sérieusement, quelle honte. Quelle honte les gars, je vous dis la vérité, c'est une honte. Cette équipe de Belgique, elle me dégoûte. J'ai un dégoût pour cette équipe de Belgique les gars, je vous dis la vérité. J'ai même pas eu le temps, on n'a même pas eu le temps de se remettre de cette défaite à l'Euro les gars. On n'a même pas eu le temps de se remettre de la défaite à la dernière Coupe du Monde, à la dernière Nations League. Que là encore une fois, tu te fais taper contre cette équipe de France. Les gars, vous voyez toutes ces personnes qui disent ouais, non, la Belgique, c'est la contrefaçon de la France. La Belgique, c'est les petits de la France. La Belgique, c'est la France de Wish. Comment tu veux leur donner tort aujourd'hui? Comment tu veux leur donner tort aujourd'hui quand tu vois que même contre une équipe B de la France, contre une équipe totalement remaniée, contre une équipe de remplaçants, on n'a pas été capable de gagner! On n'a pas été capable de gagner contre des remplaçants de l'équipe de France! Contre Colomwani! Contre Dembélé! Contre Guendouzi! T'es pas capable de gagner contre Guendouzi! Et aujourd'hui, tu te prétends être une équipe de foot compétitive! Tu te prétends être une équipe de foot digne de ce nom! Quand t'es pas capable de gagner contre ça! Mais allez vous faire foutre! Éloignez-vous du football! Vous êtes indigne de porter les maillots de l'équipe de Belgique, les gars! Vous êtes indigne de l'équipe de Belgique! C'est une honte! C'est une honte! Contre une équipe, les gars! Une équipe B, une équipe C de la France! T'as pas le droit, t'as pas le droit. J'ai fait une vidéo de 10 minutes hier pour dire qu'on n'a pas le droit de perdre ce match. Et même pas qu'on n'a pas le droit de perdre ce match. Qu'on était obligé de gagner parce que même un match nul, ça aurait été scandaleux, les gars. Ça aurait été scandaleux. Un match nul contre une équipe pareille. Quand j'ai vu la compo probable et quand j'ai vu cette équipe de France sur le terrain, les gars, et quand j'ai vu la compo que ça devait être. Les gars, je me suis dit non, c'est pas possible, impossible tu perds ce match, impossible tu gagnes pas ce match, et on se fait taper, on se fait tartiner 2-0. C'est pathétique les gars, c'est pathétique, c'était une équipe de France à la base qui était complètement à la rue. Cette équipe, elle était à la rue, totalement à la rue les gars. Elle était perdue après cette défaite contre l'Italie. Elle était perdue après cette défaite à l'Euro. Et nous, on les a relancés. Nous, on les a relancés, en fait. En fait, la Belgique, on est là, en fait, que pour ça. Pour relancer toutes les équipes qui ont des petits soucis, des petits problèmes. On est là pour ça, en fait. On est les incitants sociaux du football européen, les gars, en fait. C'est ça. C'est ça, les gars. Ça me dégoûte. Quand je vous dis que je suis dégoûté de cette équipe de Belgique, les gars, j'ai pas dit ça en, je dis pas ça en rigolant. Je pense que j'avais même dit à l'époque, après la défaite et l'élimination contre cette équipe de France, j'avais dit que là, une nouvelle défaite justement dans ce match de Nations League, ça aurait été inacceptable. Là, les gars, je vous dis la vérité, c'est inacceptable, les gars. C'est inacceptable. Et vous savez ce qui est aussi inacceptable, les gars, et ça aussi, il faut en parler. L'autre clochard de Tielemans qui sort et qui sort en rigolant, ce chien, les gars. Il sort en rigolant, il se fait taper par la France. Il se fait taper dans un match où t'es censé avoir une rivalité, où t'es censé avoir un minimum d'amour propre, où t'es censé avoir tout ça. Il a rien! Il a rien, tout comme tous ces chiens de joueurs. Ils ont aucune fierté, aucun orgueil, ils ont rien du tout, les gars. Comment tu peux te faire taper pour la 15e fois consécutive par cette équipe de France et tu sors avec le sourire jusqu'aux oreilles? Comment ça peut devenir une seule seconde? Moi je perds un match FIFA les gars! Je suis dégoûté toute la soirée, je déprime tout le week-end. Lui il perd un match devant 60 000 spectateurs. Il est là, il sort en rigolant les gars, normal. Il faut pas leur insulter leur mère à ces joueurs. Il faut pas les insulter ces joueurs. Franchement, au bout d'un moment, les gars, je veux bien. Vous pouvez me dire c'est que du football, c'est pas grave, ça reste que du foot, ça reste qu'un sport. Mais les gars, ça reste qu'un sport, mais c'est pas un sport qui est fait pour nous. Cette équipe, faut l'arrêter. Faut l'arrêter. Faut la mettre sur le côté. Il y a des pays qui sont pas faits pour le foot, les gars. Il y a des pays, c'est comme ça, ils sont pas faits pour le foot. T'as des pays qui sont faits pour le foot, t'as des pays de football. La Belgique, c'est pas un pays de football. Restons dans le tennis. Restons dans le cyclisme, restons dans ces sports-là. Arrêtez, arrêtez les gars, arrêtez. C'est simple, arrêtez. Parce que là, franchement, c'est humiliant de voir ce genre de choses, les gars. Franchement, c'est une humiliation totale. On a vu avant le coup d'envoi, quand on a vu la compo encore une fois, et qu'on voit que justement Deschamps n'a pas forcément mis une équipe type.
Il a mis une équipe de remplaçants, on s'est dit, voilà, regarde, regardez, Deschamps, il nous respecte même pas. En fait, c'est ça le pire, en fait, c'est que les Français accordent même pas autant d'importance à ces matchs France-Belgique que nous, on peut en accorder. Donc, en fait, dans ce match-là, et c'est ça qui est paradoxal, c'est ça qui est le pire, c'est que c'est les Français qui avaient le moins à gagner dans ce match. C'est les Français qui s'en foutaient complètement de ce match, mais malgré ça, malgré le fait qu'ils ont mis une équipe B, une équipe C, ou appelez ça comme vous voulez, mais une équipe de remplaçants, une équipe de tocards, faut pas se mentir, les gars. Malgré ça, ils arrivent à nous taper, les gars. Faut se remettre en question. Et je vais vous dire aussi une autre chose. Dembélé. Dembélé qui marque contre nous, les gars. Écoutez-moi bien ce que je veux vous dire. Dembélé, sur ces trois dernières années, il a marqué que deux buts en équipe de France. Il a marqué que deux buts seulement en équipe nationale. Un contre la Belgique, aujourd'hui, et l'autre contre Gibraltar, les gars. Contre Gibraltar. Les deux buts qu'il a mis sur ces trois dernières années avec l'équipe de France, Dembélé, c'est contre la Belgique et contre Gibraltar. Voilà, les gars. Voilà où on en est. En fait, c'est ça. Nous, on est le Gibraltar, les gars. On est un Gibraltar amélioré, c'est ça. Tout simplement, les gars. Au bout d'un moment, faut appeler un chat un chat. Faut appeler un chat un chat. Aujourd'hui, la Belgique, c'est un Gibraltar amélioré. C'est une équipe de ce niveau-là. On va pas se mentir. Allez, on va être un petit peu au-dessus que ces équipes-là. Comme Gibraltar, comme Saint-Marin, comme le Liechtenstein, comme tout ça. Parce qu'on se rappelle de cette phase de poule à l'Euro. Phase de poule catastrophique contre la Slovaquie, contre l'Ukraine, contre... Bien sûr qu'on s'en rappelle, les gars. Bien sûr qu'on s'en rappelle. Donc au bout d'un moment, quand tu vois que sur les... Maintenant, on peut dire même les 5 derniers matchs, les 6 derniers matchs, que des matchs où tu galères soit contre tes petites équipes, soit tu te fais taper deux fois contre la France. On peut me dire ce qu'on veut, les gars. On peut me dire ce qu'on veut, mais aujourd'hui, pour moi, c'est une catastrophe totale, les gars. Cette équipe de Belgique, les gars, c'est une catastrophe totale. Et le pire dans tout ça, c'est que dans 2 mois, même pas dans 2 mois, dans 1 mois, si je dis pas, le mois prochain, il y a encore un France-Belgique. On va faire comment? Ça va être comment, les gars? Ça va être, en plus de ça, ça va être à domicile. Ça va être à domicile, les gars. Belgique-France, à Bruxelles. Et on va encore se faire taper par la France, les gars. Je vous le dis. Ou allez, dans le meilleur des cas, tu peux aller encore chercher un match nul, mais tu ne gagneras pas encore une fois. Voilà. Parce que ces joueurs n'ont aucune fierté. Quand j'ai vu les hymnes et que je vois que la Brabançonne, l'hymne national belge, se fait siffler, je me dis, allez, les joueurs, ils vont peut-être un petit peu, je sais pas moi, avoir une certaine fierté, un certain orgueil. Se dire, ouais, non, on est là, on se fait siffler notre hymne national. On se fait taper à chaque fois par cette équipe-là. Un minimum de fierté, il faut qu'on gagne ce match. Rien du tout, les gars, rien, y a rien. Au contraire, on est là, on s'est assis, on a regardé encore une fois cette équipe de France jouer. Et le pire, c'est que quand on regarde sur les 10 premières minutes, les 15 premières minutes, allez, tu vois que clairement, tu pouvais la taper cette équipe de France, et tu devais la battre, encore une fois, je vous le dis, tu devais la battre cette équipe de France. Tu pouvais clairement battre ces Français. T'as bien vu, sur les 10-15 premières minutes, t'as eu une domination. T'as pris ces Français à la gorge. Tu t'es procuré des situations. Les Français étaient acculés par le pressing belge. Mais après ça, rien. Rien du tout, les gars. Rien. Kanté à lui tout seul, les gars. Kanté à lui tout seul. Il maîtrisait totalement le milieu de terrain belge. À lui tout seul. Et c'était ma crainte. En plus de ça, c'est le pire. C'est ce que je disais avant le match. Dans ma vidéo d'hier, je disais que dans le milieu de terrain de cette équipe de France... Quand tu sais que t'as, ben, à part Kanté, t'as absolument personne, vu que ceux qui ont joué l'Euro, à savoir Rabiot, actuellement il est sans club, Tchouaméni blessé, Kamavinga blessé, que t'as toutes ces situations-là, et que là, t'avais juste Kanté qui a joué avec un Manu Koné, qui fait ses débuts avec l'équipe de France A, et Guendouzi. Et quand je disais justement dans ma vidéo d'avant-match, c'est pas possible, Kanté, il peut pas maîtriser tout le milieu de terrain de la Belgique à lui tout seul. Voilà, les gars, c'est ce qui s'est passé, les gars.
Je vous dis franchement, j'ai même pas envie de faire un coup de gueule sur tel et tel joueur ou quoi que ce soit d'autre. Ils ont tous été mauvais. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Bon, t'as eu peut-être quelques fulgurances de la part de Doku, mais encore une fois, il s'est fait éteindre par Koundé. Voilà, parce que nous, en fait, encore une fois, je vous dis, cette équipe de Belgique, elle sert, ces joueurs aussi de Belges, ils servent à relancer tous les joueurs, à les mettre en confiance. Parce que je me rappelle que c'est vraiment là, depuis ce match contre la Belgique, on s'en rappelle à l'Euro, c'est là où vraiment Koundé a pris pour moi une nouvelle dimension avec cette équipe de France, je vous dis la vérité. Quand il a complètement éteint un joueur comme Doku, on a vu Koundé, voilà, il rentre dans une autre dimension. Le mec, voilà, ça l'a remis en confiance pour le reste de la compétition et tout ça. Et là, encore une fois, pareil. Voilà, encore une fois, je vous dis, voilà. Deschamps qui était sur la sellette après le match contre l'Italie, après la défaite contre l'Italie. Regardez ce qui s'est passé. Là, maintenant, c'est bon. Tout le monde va de nouveau faire confiance à Deschamps. En fait, Deschamps, dès qu'il est un petit peu dans le doute, dès qu'il est un petit peu dans une situation un petit peu compliquée, il faut juste qu'il joue contre la Belgique et puis c'est bon. Voilà, il va se relancer, ça va être comme ça. Bref. Et après, il y a aussi le match contre l'Italie, d'ailleurs, qui va arriver sur le mois prochain. Là aussi, les gars, là, franchement, je vous dis la vérité. Ça aussi, ça va être une boucherie, je vous dis la vérité. Je suis persuadé que ça va être très compliqué, ce match contre l'Italie. Je sais plus si le match contre la France, par contre, si c'est le mois prochain ou le mois d'après, mais bref, dans tous les cas. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, je vous dis encore une fois, cette équipe, vraiment catastrophique, les gars. Vraiment catastrophique. Et je vous dis, c'est la première fois où j'en arrive à ce point-là où j'ai un dégoût pour une équipe pareille. Un dégoût. Après, c'est vrai que la saison passée avec le Barça, j'avais un petit peu ça. Avec le Barça, je commençais à avoir un dégoût. Mais là, pour une équipe nationale, les gars, je vous dis la vérité, je crois que c'est la première fois. À ce point-là. Parce que t'as l'impression, en fait, ces joueurs, ils le font exprès presque. Ils font aucun effort. Moi, je vous dis encore une fois, l'image de Tillmans qui sort en rigolant, ah non, mais ça, c'est fort. Franchement, ça, c'est fort. Bref, j'espère qu'il y a des choses qui vont changer, que peut-être, on espère, cette défaite, ce sera enfin le déclic qu'il faut. C'est tout ce qu'on espère. En tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.